Bienvenue chez Suzuki. La nouvelle Suzuki SX4 a été dévoilée à Genève. Le nom reste le même, mais la dernière arrivée se prononce S-Cross 4, car l'ancienne SX4 restera encore présente dans les showrooms pendant plusieurs mois. Le nouvel arrivant est plus grand, avec ses 4,30 m, il se retrouve dans le même terrain de jeu que le Nissan Qashqai. D'un point de vue technique, la S-Cross 4 inaugure une nouvelle transmission intégrale, baptisée All Grip. Cette technologie propose 4 modes de fonctionnement. Le mode auto favorise l'économie de carburant et les deux roues motrices. En sport, le système cherche à offrir la meilleure motricité. Pour la neige, la boue et les routes hors bitume, il faut passer en mode snow. Et puis, avec le verrouillage lock, la voiture peut se sortir de situations difficiles. La S-Cross 4 peut être surmontée par un toit ouvrant panoramique. La nouveauté vient de ces deux panneaux vitrés coulissants. En s'ouvrant, il laisse une grande ouverture, y compris à l'arrière. Sous le capot, on trouve deux moteurs 1,6 litre de 120 chevaux, un à essence et un diesel. La Suzuki S-Cross 4 sera commercialisée en septembre. Le prix de départ sera de 16 000 euros environ.